C'est Papa Eric ici. Ça va bien? Tout comme moi, je suppose, vous avez deux bras, vous avez deux mains et vous avez 10 doigts. Normalement, c'est comme ça. Eh bien, imaginons, ce doigt-là ne peut pas être dissocié des autres. Il est obligé d'accepter les autres. Il est obligé de vivre ensemble avec les autres. Il ne peut pas être dissocié. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Nous avons été créés pour être unis, pour vivre ensemble. Nous formons une communauté. Quand je dois réparer ma voiture, eh bien, je vais chez le garagiste. Quand je veux manger du pain ou du gâteau, eh bien, je vais chez le boulanger. Quand je veux acheter un bouquet de fleurs, je m'en vais chez le fleuriste. Même si j'achète tout ça sous la même enseigne, ce sera dans des rayons différents et ce sera avec des responsables différents. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Mon voisin a des capacités que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai des capacités que mon voisin n'a pas. Apprenons à nous supporter. Apprenons à vivre ensemble, à travailler ensemble, à être unis. Bien sûr, vous n'aurez besoin de personne, mais personne n'aura besoin de vous. Et à ce moment-là commencera la tristesse, le désespoir, le fait de se sentir inutile. Alors, je ne crois pas que ce soit une solution de mettre des murs comme ça. Alors, travaillons ensemble, soyons unis, soyons forts pour que notre vie soit belle. Ok, je compte sur vous. Voilà, à la semaine prochaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus si vous avez aimé, les commentaires et que votre vie soit belle. Bye bye!